Mesdames et messieurs, bonsoir. Non, Pam, c'est Edouard, l'aventure Ernest Moloscott sur la table de contrôle. C'est bien Charmant Gelin. Nous sommes capables de constater que nous, à travers les rues de Miami, mais nous connaissons que face à la conjoncture et ça qui a déroulé surtout dans le monde là, nous connaissons que ces coronavirus-là, c'est les cas d'actualité. Jean nous a signalé hier soir, nous t'a informé auditeurs. Dans New York, il y a un pile de monde qui mourit. Mais c'est comme ça tout. Nous parlons des informations de un jeune Haïtien qui vit dans New York. Et qui lui-même, qui pas vivre n'importe comment. Monsieur, vraiment, dans la branche médicale, là, joue un rôle important. Et c'est là le gars des lois haïtiens tout, qui eux-mêmes, qui allait, ça tombait, ça levait, ça cap vivre. Je dis à nous choisir sur les grands dossiers de l'actualité pour nous capables vraiment porter plus d'informations pour auditeurs et téléspectateurs. N'a pas rappelé à auditeurs, Jean nous constatait déjà et nous a dit que l'inquiétude qui existait, c'est entre deux grandes puissances, qui la Chine et les États-Unis d'Amérique. Rappelez-nous que président Xi, président Xi, à savoir président chinois, il déclarait que l'autorité américaine est arrogante parce qu'il dit que c'est eux-mêmes qui t'a vini avec coronavirus là. Pendant ce temps, le président américain, M. Donald Trump, n'a pas peur, il est très ouvert, il dit que si n'a pas gardé monde qui ont même cap tombé, eh bien avant que un journaliste ne pose une question, gardez qui ça cap passé. C'est pas moi qui responsable. Al poser autorité chinoise aux questions. Mais ça peut empêcher que monde continue de tomber. Et nous connaissons que l'autre accusation qui est faite sous président Donald Trump, comme président russe là, Vladimir Poutine fait le connaître, il dit que deux présidents saillants, à savoir le président Donald Trump et le président Xi, tous les deux, ils ont gagné pour être capables d'un dossier crime contre l'humanité. Parce que il y a possibilité que c'est ces deux pays qui ont même qui la cause que nous arrivons dans point ça là. Il y a une autre information qui t'a tombé, c'est que nous connaissons après que la Russie finit fait des déclarations, eh bien, il y a une dans un pays qui lui-même, l'Italie, qui t'a dit que lui-même tout, il a vraiment des comptes de situation. L'Allemagne et l'Angleterre, il y a travail pour être capable de joindre une solution à la crise là. On tombé dans Haïtien ou même qui tombé dans New York. Nous connaissons que le nombre est augmenté. Et nous avons un jeune Haïtien qui est lui-même, qui est présent, qui est sur place, qui presque chaque jour, cap vive, j'en vis à yé. Un bail qui n'est pas facile et qui est difficile. En plus, l'Haïtien, il y a un gouverneur là qui lui-même, de côté, pas fait des déclarations. Magistrat fait des déclarations. Mais ça peut empêcher qu'il y ait des Haïtiens, que nous-mêmes, sur les grands dossiers de l'actualité sur HPM, nous pas le gagner pour nous capables de parler avec eux. Et je vous dis à son privilège, sur HPM et chaîne publique média, pour nous rencontrer un jeune Haïtien. C'est un plaisir de nous rencontrer. Comment on y est? Nous connaissons que on vit à New York. Comment vivons-nous à New York pour les gens qui ont un virus haïtien? Bon, deux semaines, 2 mois de cela, c'était chaos à New York. Mais qu'on y a avec information et avec comment gouverneur gérer le dossier, nous flattons une curve là, nous plus ou moins bien. Bon, quand il s'agit de Haïtiens, je réalisais que, je travaille à l'hôpital, je réalisais que, par exemple, sur chaque 10 personnes qui étaient rentrées dans l'hôpital, dans l'emergency room, nous avons dit 4 ou bien 5 personnes Haïtiens là-dedans. Parce que ça, en fonction de ce ça, 4 ou 5 personnes, ils viennent là-dedans, Haïtiens. Yeah. Mais comment Haïtiens? Dans l'hôpital moyen, New York, là. Dans l'hôpital où il y New a. York, yeah. Mais comment est-ce que Haïtiens? Bon, on parle de ça par rapport avec le coronavirus. Oui. Me réaliser à partir de 60-70 ans, monde qui atteint quoi en aviso, en capanon, haïtien qui atteint yo, yo pas sorti là-dedans. Yo pas sorti là-dedans. Une fois que nous mettons sous ventilateur, chance pour yo sorti bien là-dedans, il est vraiment minime. Il est minime. Yeah. Bon, pas ouais haïtien seulement, m'ouel une fois que malade de coronavirus là et que surtout si vous avez un underlying condition, si vous avez un blood pressure, si vous avez diabétique, si vous heavy, si vous fat, ou pas, we don't do good avec coronavirus. En leur gros, il n'y a pas d'avantage au gros. Il pas gros, l'autre a l'autre condition déjà, ou t'es diabétique, ou t'es high blood pressure, il n'y a pas aidé du tout. Coronavirus là. Coronavirus là. Jeune,
yo plus yo 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 sorti plus bien là-dedans. Jeune yo. Mais qu'on y est, ils ont commencé à réaliser que tout le monde qu'on y a commencé, bah, nous beaucoup. Et comme m'a tout dit notre que qu'on avait eu ça, me pensais que monde médical là, l'apprentissage tout. Ou l'apprentissage. Non, l'apprentissage. C'est nouveau. C'est nouveau. Côté nous penser concerné, les métamorphoser, les transformer, c'est nouveau pour nous. Nous n'a pas appris. N'a pas appris et n'a pas information. Tant n'a pas appris avec. Mais est-ce que vous pensez que des possibilités, nous capables de jouer une solution avec qu'on a vu ça? Bon. Solution miracle, c'est un vaccin. Mais il y a parlé de 12 mois jusqu'à 16 mois qu'on a pour gagner. So, solution qu'on y a, nous gagnons, c'est social distance et puis protéger tête. Nous connaissons pas la politique. Mm-hmm. Président américain Donald Trump, même au sein de Maison Blanche, il y a des gens qui sont infectés. Yeah. Et parce que ça qui est valable pour le commun des mortels, là, il est valable pour le président, valable pour tout le monde. Tout. C'est protéger tête, c'est mettre des masques, c'est laver les mains, c'est respecter la distance. Mais auparavant, le président n'a pas accepté de mettre masque. Bon, là, il commence à voir que les gens qui sont malades, lui-même, il ne veut pas mettre masque. Mais les gens qui sont malades, ils veulent mettre masque. Alors, parce qu'en fin de compte, si je protège la tête, si je mets des masques, je protège les gens qui sont face à moi. So, ça veut dire que je ne parle pas là. Si je mets des masques, je protège. So, ça veut dire que si je parle pas là, je ne parle pas là. Je ne parle pas là. Yeah. Ça veut dire que le masque là, il joue un rôle important. Très important. Un rôle déterminant pour éviter d'infecter les gens et puis tout pour ne pas prendre l'infection. Mais qu'est-ce que tu as pensé de coronavirus là? Bon. Je te dis que son airborne. Dans un premier temps, il dit que airborne, mais il dit que c'est système immunitaire, système respiratoire qui attaque. Mm-hmm. OK? Mais qu'on y est, il commence à dire que n'est pas seulement système respiratoire, parce que il y a monde qui gain coronavirus qui pas jamais de problème respiratoire. OK. Il dit qu'on a commencé que monde qui gagne diarrhée, commence que monde qui funny histoire dans le coronavirus, c'est que pour un monde qui bagon qui gon strong système immunitaire qui pas compromettre li ka gen coronavirus li passel li vive avec normalement pi bien que ta kon flou so quand pile monde qui coronavirus qui pas konn si yo te gen OK qui gen tan passé étape là déjà qui pas jamais gen comme ça tout on nous dit par exemple que chaque 100 monde qui gen coronavirus c'est à peine 3 ou bien 4 monde qui malade de coronavirus. Ah bon? Yeah. Ça veut dire même avant là nous quand le coronavirus plusieurs fois déjà nous pas connait pas aucun signe avec symptômes. D'accord? Okay. Ça vraiment important. Mais qu'on y a monde qui malade une fois qu'il est à l'hôpital, il vient une critique pas grand pile chance vraiment pour sauver. En pas de chance pour vivre. Pas en pile chance pour sauver. Parce que moi réaliser que solution miracle que tu as dit c'est mettre pas monde dans sous ventilateur, ouais. Oui. Intubate lui, met ton tube dans l'estomac dans poumon lui et puis fait machine dans respirer pour lui. Après 10 jours, normalement, on intubé, nous mettons le tube dans l'estomac. En temps normal, sous 3 ou 4 jours, nous avons supposé commencer à retirer sur la machine. Mm-hmm. Alors que les gens qui ont coronavirus, ils sont vraiment malades, ils ont 12, 13, 14 jours, et nous n'avons pas espoir pour sortir sur la machine. Nous n'avons pas espoir pour sortir sur la machine. On nous dit qu'il n'est pas général, mais la majorité des cas, pas vraiment espoir pour la machine. C'est ça qui fait qu'on a commencé à repenser, au lieu de mettre le tube dans l'estomac, ils ont quitté le dernier moment pour essayer l'autre machine. L'autre machine qui n'est pas invisible, l'autre machine qui n'est pas obligée de tube. Ils ont les bypass, ils ont les alphonés au canula. Ils ont essayé avant jusqu'à ce que l'intubation soit de la crise. Ils ont mis un tube là, ils ont mis un tube. Le fait que. Ou pas qu'à respirer. Le fait que poumon pas qu'à faire travail là, ils ont mis un tube qui. Et puis ils ont connecté un appareil dans le tube là qui peut respirer pour, pendant qu'on ne peut pas respirer. Donc, une fois que sous machine, il y a des tests qui sont faits sur vous, vous dites, OK, est-ce que vous êtes prêt pour commencer? Vous avez une expression qui est win-off, ça veut dire, on nous dit, si vous êtes sous tel mode sous appareil là, vous commencez à retirer le mode de joint jusqu'à ce que vous retirez le tube là. Moi, évaluation très haut, il n'y a pas deux monde qui mourent là. Yeah, non, mais ça me veut connaître tout le monde, c'est que sur chaque 100 monde qui soit disant infecté, que nous connaissons, c'est à peine 3 ou 4 qui sont vraiment malades. Ou d'accord? OK. Ou là, c'est à peine 3 ou 4 qui n'est pas capable encore qu'elle l'emergency room. L'autre monde qui pas connaît si il est infecté. OK. OK, mais pendant que par contre il est infecté, il a toujours infecté monde. Wow. Ou là,
pendant yeah li, c'est ça que fait dit que c'est un concept flou chaque saison nous gagne flou ici ouais ouais gagne monde qui mourit en flou chaque saison mais gagne monde tout qui juste passer une grippe pendant quelques jours et puis that's it gagne monde qui pas jamais gagne grippe tout comment on pense qu'on a vu ça qu'après pour y résoudre le problème non oui ouais bon, et nous autres ça solution magique là c'est vaccin mais malgré nous gagne vaccin flou chaque année tout gagne monde qui mourit de flou d'accord donc connier conseil là pour haïtiens surtout c'est ta on pense que c'est hygiène de vie ou qu'on y a. Ok. All right? Pas qu'aucun monde qui a veillé sur que tête. On va y aller exercice avec diet. Ça est déterminant pour tout le monde. Pas besoin pour le monde qui est malade. Pour tout le monde. Exercice avec faire. Diet. Avec diet. Diet. Listen, moi, je vais nous sortir en Haïti. Oui. Malheureusement, repas nous résumé avec. Poule fria avec du riz à chaque jour. Vous d'accord? Oui. Mon ouais. Conseil moi pour tout haïtien c'est à rester loin bagaille qui frit. Rester loin du riz chaque jour. OK. Vous d'accord? OK. Nous tout fait high blood pressure parce que nous dans sel nous chaque jour, nous dans manger fruit nous chaque jour qui fait des impacts sur artère nous et puis qui parle pas nos problèmes. Nous fait chaque jour. Les un bon matin, nous lever comme ça, nous fait hard attack ou bien fait stroke. Tout le monde dit oh, il pas de gain. Non, nous gon bagaille, nous build up depuis 30 40 ans. 30 40 ans. Nous gon jeune fonctionner de 30 40 qui débouchait juste ça. Qui depuis jeudi à son hard attack, qui débouchait juste ça sous dai. Un problème. OK. Diabetic. Ou d'accord? Donc, et mzo monde qui gros, monde qui gain underlying condition qui c'est high blood pressure bien diabète. Moun sa yo. Système qui a compromis déjà. Une fois que infecté à coronavirus, pas d'ampile chance pour vous. Pas une chance pour vous. Pas d'ampile chance pour vous. Pas d'ampile chance pour vous. Okay. Moi, merci. Qui dernier mot, t'as remédié à tout haïtien? Bon, et. Bon, en général, et protéger tête, non? Si nous n'avons pas un endroit dans la rue, pas sorti. Si nous dans la rue, mettez masque. Une fois nous rentrons la caille, non? Lavez mes noms, débarrassez nous de ça que t'es sous nous. Et puis surtout, ma vie avec maman, mon cas vivre avec grand monde. Protéger tête nous l'aime dehors pour nous protéger grand monde parce que grand monde yo il y a un groupe monde qui fragile grand monde yo yeah moi j'ai 77 ans avant de rentrer la caméra depuis dehors moi qui était uniforme moi dehors mais c'est était loin j'aime capable parce que me connais une fois qu'elle infecté il va faire plus de temps il va faire plus de temps merci en pile pas un problème, c'est ton merci bye bye. Parce que bon...